Alors, Chantal de Saint-Gly, il y a une interpellation quand même après cette synthèse très complète. Si vous me permettez, je vais reprendre cette interpellation. Merci beaucoup. Hein, et conclure. Hein, je crois qu'il est temps aussi qu'on s'arrête. Chacun va reprendre sa route vers son territoire, ses territoires. Et je voulais juste rapidement dire merci. Merci à tous les participants, que vous soyez citoyens, usagers, professionnels de santé, soignants, encadrants, dirigeants, que vous soyez journalistes, experts, consultants, chercheurs, universitaires. C'était formidable, je ne vais pas revenir dessus. Merci particulièrement aux intervenants. Merci à Thierry Guerrier. Vous nous avez permis d'avoir des discussions de grande qualité et je trouve que voilà, c'était simple, fluide et merveilleux. Donc merci. Un plaisir pour tout le monde aussi, sérieusement. Merci bien évidemment aux partenaires de l'ANAP, hein, l'Agence de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le CIS Auvergne-Rhône-Alpes, et puis la TIH. On peut dire un tout petit mot des équipes techniques. J'allais le dire. Ah, d'accord. J'allais super. Le dire. J'ai pas terminé. Merci à l'ANAP, aux équipes de l'ANAP, aux équipes techniques qui nous accueillent. À Macuevi, Ricardo, merci à la directrice générale qui permet que tout ça se passe bien, donc c'était voilà, formidable. L'idée, c'est simplement de vous dire, d'une part, bon, l'évaluation, c'est pas moi qui vais la faire, il y a déjà eu des propos qui ont été dits et c'est formidable, mais surtout, répondez aux questionnaires que vous êtes en train de recevoir sur vos boîtes mail. Dites-nous comment voilà, vous avez vécu tout ça, tous, et comment vous avez envie qu'on reprenne, qu'on continue, sans attendre d'ailleurs l'année prochaine. J'ai bien entendu, Fabrice, vos propos, l'ANAP, et je pense à hein, Sophie, on est interpellés, et je pense qu'on a... Merci, ça nous va très bien. Et malgré tout, l'année prochaine, il y a un rendez-vous qu'il faut noter tout de suite sur vos agendas avant de partir, 8 et 9 septembre. Ça se passera à Rennes. L'ANAP, chaque année, souhaite que les universités d'été de la performance se passent partout en France. L'année prochaine, ça sera à Rennes, 8 et 9 septembre. Et justement, ça tombe très bien par rapport à la discussion sur sortir des cases ou pas. On va parler d'innovation organisationnelle. Sortons des cases, justement. Voilà, donc rendez-vous à tous. Encore une fois, merci et bravo à tous.